Et salut les amis, comment ça va? On se retrouve ce soir pour un stream très spécial. Regardez qui est avec moi ce soir. Je suis avec Rizlen, la réalisatrice du reportage sur les excès de l'influence sur France 2, qui a fait tellement de buzz. Rizlen, bonsoir. Bonsoir. Arnaque, fric, politique, le vrai business des influenceurs. Donc il est en replay actuellement. Donc allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Les gens qui sont là, ils l'ont vu parce qu'on l'a streamé ensemble. D'accord. Voilà. Donc tu es en terrain conquis. Ah ok, ok. Sauf okay. Moi, j'avoue, j'ai regardé quand il y avait ma partie. D'accord. Donc quand tu parles, Luna, il faut que tu te mettes juste un petit peu plus près de Rizlen. Non, on ne le bouge pas, mais tu t'avances un petit peu. Et donc, Luna, que vous connaissez tous, clairement a aussi... fait partie de ce reportage. C'est vrai que voilà, on en a beaucoup parlé de son histoire. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions ce soir. Ça va s'articuler comme une discussion. Voilà, on va dire un petit peu ce qu'on en a pensé. Et puis on va avoir aussi l'avis de Luna. Luna, je suis trop content en tout cas que tu sois là. Ça fait plusieurs mois que on stream et etc. Je t'apporte mon soutien. Ah ouais? Ouais, parce que on a été beaucoup touchés tous par ce que t'as vécu. Merci. Félicitations à toi d'être passé à travers tout ça. Voilà, moi ces filles, quand je les ai vues commencer dans la télé-réalité, quand j'ai commencé à consommer un peu de télé-réalité pour me rendre compte qui sont les nouvelles quelque part tête d'affiche. Et parce que tu kiffais. Ouais. je vais pas dire. Il faut non, pas avoir honte de le dire maintenant. Non, pas du tout. Non, accro non. Mais après, je veux dire, je fais quand même partie d'une génération où la télé-réalité fait partie de mon, voilà, je veux dire, de mon univers. Donc après, je suis pas fan de télé-réalité, mais ça m'intéresse. Je suis une femme de télé aussi, parce que moi, quand j'ai vu ces jeunes femmes qui faisaient, je veux dire, de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, moi, je comprenais pas pourquoi. Parce que, enfin, moi, quand je me rappelle, quand j'avais 20 ans, je veux dire, pour moi, c'était l'apothéose quelque part de ma beauté entre guillemets, même si je me sens toujours aussi bien dans ma peau. Mais après, c'est vrai que tout le monde n'a pas ce sentiment-là. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, comme tu le dis, ça, c'est pour toi. Moi, je trouve qu'il faut respecter aussi recherche de, tu vois, d'une beauté différente. Chacun fait ce qu'il lui plaît. Non, c'est pas une question de ça. Maintenant, en fait, là où t'as raison, c'est que c'est vrai qu'il y a une comprendre... pression. Ça, je suis d'accord. Moi, je peux comprendre en fait que quand, par exemple, on a un nez vraiment disgracieux, quand il y a vraiment des parties où on a des complexes, ouais, je peux l'entendre. Mais là, il y a quand on a un nez qu'on trouve soi-même disgracieux, ben oui, parce qu'un nez n'est pas généralement disgracieux. Je me suis juste rendu compte qu'il y avait un phénomène de société, et vous n'allez pas me contredire là-dessus, c'est une réalité. Oui, mais finalement, c'est une mode. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas. Mais oui, bah à ce moment-là. Ah oui, c'est une mode. À ce moment-là, moi, je voulais interviewer. Moi, je vous parle de la démarche en fait de ce reportage. Voilà. Donc, il y avait ce phénomène de société et j'avais envie de rencontrer effectivement des personnes qui analysent les codes de beauté. Voilà. Voilà. Parce qu'à une époque. Et ces codes de beauté qui évoluent dans le temps sont relayés finalement par les influenceurs, comme les modes étaient relayés par les influenceurs d'hier qui étaient les acteurs, qui étaient les célébrités qui avaient d'une autre manière une visibilité. On voyait ça avec Brigitte Bardot, l'époque de avec les tailles de guêpe extraordinaires. En faisant entre guillemets ce documentaire, c'est vrai que moi je me suis aperçue vraiment que c'était des conneries. C'est-à-dire que, genre là, il y a encore une semaine, je me suis retrouvée face à un pote de LA et en fait j'avais mon visage tourné. Et il m'a dit, la première chose qu'il a regardée, c'est mes fesses. Et comme il a vu des fesses toutes plates, il m'a pas reconnue. Parce que de base, j'avais des fesses généreuses. Et c'était franchement, c'était de la stricte débilité. Vraiment. Genre, je pense qu'on m'a tellement mis dans la tête, t'as perdu du poids, tes fesses, elles tombent, t'as moins de fesses qu'avant. Ce qui était totalement faux, en fait. Que moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut absolument que je refasse mes fesses pour reconquérir, entre guillemets, mon ex de l'époque, et en fait... Ah oui, d'accord. Ouais, clairement. Ah. Ouais, franchement, c'était ça, tout le temps. Donc finalement, c'est pas la pression des réseaux sociaux, c'est la pression populaire, non, que ce soit à l'école, que ce soit partout. Après, moi, je pense qu'il y a un ensemble, en fait, de choses. Il y a les complexes, la pression à l'école, et puis quand on rentre dans un game, donc votre game, donc cet univers de la télé-réalité, donc cet écosystème où à un moment donné, que nous, on a vraiment décrypté et qu'on a révélé pour France Télévisions. Donc quand on rentre dans ce game quelque part, on le voit,
C'est évident, regardez les émissions de télé-réalité. Même à un moment donné, il y a même des jeunes filles donc, qui ont fait ces émissions et qui, à un moment donné, quand elles se voient, quand elles voient les émissions, elles disent « Ah, j'ai quand même abusé de mes lèvres, j'ai quand même abusé. » C'est parce qu'à un moment donné, entre elles, elles ne se voient plus. Maintenant, je vais dire un truc. C'est un truc qui revient dans à peu près tous les domaines de ton reportage. Tu parles des influenceurs. Ok, tu parles des influenceurs. Alors de la télé-réalité. Et c'est vraiment, voilà. Les influenceurs, c'est pas ça. De la télé-réalité. Okay, les influenceurs, c'est pas ça. Il y a énormément de youtubeurs, énormément d'influenceurs des réseaux sociaux qui n'ont jamais foutu un pied. Attends, je finis. Aussi. On n'a jamais dit que les influenceurs, c'était que les influenceurs de la télé-réalité. On a vraiment l'impression de ça dans le reportage. On a quand même démarré avec Yvick, Léa Louis. Il y a beaucoup d'autres influenceurs que je suis moi-même. Par exemple, tu regardes aujourd'hui, une Léna Mafouf ne fait absolument pas l'apologie de la chirurgie esthétique, n'en a subi aucune opération. Et en fait, je trouve qu'il y a une vraie généralisation autour de les influenceurs, c'est la télé-réalité. Les influenceurs, c'est Magali Berda. Magali Berda a une agence d'influenceurs de télé-réalité. Elle n'a aucun autre influenceur. Se voiler la face. Aucun. Non, pas du tout. On parle d'un monde. Alors d'un monde. Et d'influenceur. J'ai décrypté les influenceurs de télé-réalité. Eh ben, je le dis. Mais il y a une vraie généralisation parce que tu parles de l'influence. C'est les influenceurs de la télé-réalité. Ouais, mais quand tu dans c'est le titre, c'est quoi? C'est le business de la télé-réalité. On décrypte Bunny J, on décrypte Satisfaction, et c'est clair et net. En fait, on avait l'impression que c'était un reportage sur les excès de la télé-réalité. Les dérives, exactement. Et pas les du dérives, tout de l'influence. Les dérives, exactement. Et du coup, je trouve que ça dresse c'est un portrait dérives, vraiment biaisé exactement. De l'influence, alors que ça aurait dû être c'est un complément la télé-réalité. Ouais. Mais pas du tout. Les excès de... Mais on peut être de la télé-réalité et être influenceur. Bien sûr. Et ben voilà, donc mais c'est ce les influenceurs qu'une... de la télé-réalité. Mais ce n'est qu'une petite partie. Et dans le titre, on dit l'influence. Non, mais non, c'est le vrai business des influenceurs. Voilà. Ah oui, le des vrai influenceurs. Donc on ne dit pas de l'influenceur. Les vrais business de les... des influenceurs. Influenceurs. Mais les influenceurs, c'est pas ça. On décrit. Mais les influenceurs. Les influenceurs, c'est pas ça. C'est ça aussi. Non, tu peux pas prendre une infime partie d'un sujet et généraliser. C'est ça aussi. Je pense que les influenceurs, ils se sont sentis mis dans la case télé-réalité alors qu'eux, ils n'ont rien à voir. C'est ça aussi. Et que la plupart des influenceurs qui sont issus de la télé-réalité. Qui ne sont pas issus de la télé-réalité ne font non pas mais de toute manière nous on n'a pas fait un film la promotion où, nous on n'a pas fait un film où on dit qu'influenceur ce n'est moi pas je vais bien. Dire ce que je vais dire ce nous, comment on je on l'ai pas commenté fait un film où on dit qu'influenceur ce n'est pas bien non mais j'ai nous, pas dit on ça on n'a pas dit ça non j'ai pas dit ça j'ai dit qu'il n'est pas exhaustif donc de toute manière à partir du moment où tu parles des influenceurs sans limiter à la télé-réalité il n'est pas exhaustif non maintenant je vais dire ce que j'ai pensé de ce documentaire on a fait un descriptif dans le enfin j'ai l'impression que c'est tendu en fait non c'est pas tendu c'est pas tendu mais là tu t'es tendu un petit peu. Non, parce que moi, je te dis juste. C'est comme ça, c'est comme ceci. Non, je te dis juste. Vous posez des questions sur le film. Non, je suis pas du tout tendu. Vraiment. Je suis vraiment pas tendu. Mais c'est sur le film, justement. Sincèrement, je veux dire. C'est sur le film. Il faut être aussi dans, moi, je vais à l'écoute. Dire... Non, mais je suis parce à l'écoute. Depuis le début, oui, quand je parle de la chirurgie esthétique et que je vous explique ma démarche, vous. Ah oui, mais non. Mais écoutez, il faut écouter. Enfin, c'est un débat. C'est un débat. Oui, mais non, moi, je perçois ça comme une agression. Non, c'est pas du tout une agression. Non, allez-y. Vous pouvez parler. Je vous écoute. Et je réponds aussi, et j'ai le droit de ne pas être du même avis. Mais ce n'est pas une question de ça, mais en fait, vous ne voulez pas entendre. Moi, je n'ai pas dit que les influenceurs, c'est bad. Moi, je n'ai pas dit que les influenceurs, c'est que les influenceurs de la télé-réalité. De toute manière... Ça, c'est ce que le reportage donne comme impression. De toute manière, un influenceur ou une influenceuse, c'est une personne qui a une communauté. Donc, si nous, on prend l'angle de la télé-réalité, on a le droit. Il faut le dire. Il est écrit dans le descriptif. C'était pas très clair. Mais moi, je vais vous dire ce que j'ai l'impression. Maintenant, je vous ai écouté. Je vais vous dire l'impression que j'ai eue. L'impression que j'ai eue, c'est que malheureusement, ce documentaire, il n'est pas exhaustif. Dans la manière dont il traite l'influence, puisqu'il généralise l'influence et finalement il se cantonne à la télé-réalité. Mm-hmm. Il n'est pas exhaustif dans les chiffres, il n'est pas exhaustif dans l'enquête. Et finalement, j'ai l'impression qu'on se perd un peu entre essayer de faire de l'audience sur Magali Berda, sur la télé-réalité. Mais pas du tout. Sur la télé-réalité. Attendez, laissez-moi finir. Mais pas du tout. Laissez-moi mais finir. Parce qu'en fait, sur la télé-réalité, sur les influenceurs de télé-réalité, parce que parce que c'est un phénomène de société et que les et jeunes en faisant vous regardent. Fi, en faisant les fi, jeunes vous regardent. En faisant fi de tout le reste de l'influence. Voilà, les jeunes vous regardent. Il y a énormément de positivité. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Mais j'ai l'impression que c'est une conversation sourde parce qu'alors là, j'entends.
un sujet et là j'entends un autre sujet. Mmh. Tout ce qu'on veut dire, mmh, c'est que ça s'appelle le business de l'influence, sauf qu'on a majoritairement... Oui, bon, attendez, est-ce que... Ouais. Je peux finir? Vas-y. Sauf qu'on a majoritairement parlé de télé-réalité et donc à ce moment-là, il fallait mettre le business de la télé-réalité instead de le business de l'influence. C'est tout. Toutes les jeunes filles se ressemblent. Et c'est ça que je trouve dommage, parce qu'au départ, elles arrivent toutes avec une identité, et à un moment donné, il y a une sorte d'influence. On va passer à autre chose. Encore une fois, voilà, Magali Berda, c'est celle qui, finalement, a répondu au téléphone. Et du coup, c'est pour mais ça que... Mais elle n'a pas répondu tout de suite. Hein. Non, elle... bon, peut-être qu'elle n'a pas répondu tout de suite, mais en tout Magali, cas, c'est elle qui a répondu. Avec tout le respect que je vous dois, elle n'a pas répondu tout de suite. Donc, raconte-nous. Je t'avais au téléphone tout le temps, elle me disait « j'arrive pas à l'avoir, j'arrive pas à l'avoir, aide-moi, comment je peux faire ?» Ok. Et comment vous avez réussi, du coup? Comment j'ai réussi? Donc, bon, au départ, j'étais en contact avec son assistante. Ensuite, on a eu des rendez-vous, mais ça a été des rendez-vous manqués. On a eu un rendez-vous à Shona. Donc, effectivement, je lui ai dit que ça allait être sa success story parce qu'à cette époque, elle faisait les immersions politiques. Et moi, je trouvais ça vraiment hyper intéressant de montrer que la papesse de l'influence passait à réaliser des immersions politiques. Et ensuite... c'était pas gagné. Donc, parce qu'on avait un rendez-vous, on devait faire un tournage et finalement il a été annulé. Et puis j'ai filmé un couple d'agents et c'est eux qui m'ont aidé aussi à la convaincre. Ça, je l'ai jamais dit nulle part. Et ils m'ont aidé à la convaincre et finalement elle m'a dit ok. Mais quand nous sommes allés donc, au premier tournage, c'était pas gagné. Donc voilà. Ouais. Et puis du coup, Wesley, rien du tout. Wesley, sincèrement, on a essayé de le contacter, il était introuvable. Donc, c'est mon co-réalisateur Paul Labrosse qui était vraiment sur cette partie. Et donc, il a essayé. Et on a eu un coup de... Vous avez vu le film, il y a eu un coup de téléphone voilà, quand même. Ça. Il y a un petit coup de téléphone. Il y a une rencontre, ils se sont rencontrés. Donc, normalement, il devait y avoir l'espoir d'une interview. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme on voulait par rapport à Wesley. Mais comme vous voyez, on décrypte vraiment clairement... Je veux dire... ce que vous avez, quoi, en fait, finalement. C'est, au-delà de ça, c'est, voilà. On décrypte vraiment si l'histoire Wesley de la marque. Venir, si Wesley avait voulu venir sur le plateau débattre aussi, il aurait pu le faire. Mais en fait, Magali Berda, je pense que nous, on s'est axé sur Magali Berda parce que c'est une vraie personnalité. C'est une femme de poigne. Ouais. C'est une femme qui était une... Allez, je veux dire qu'il y a un parcours... c'était une courtière d'assurance ruinée. Et ensuite, elle est passée à l'une des femmes les plus importantes, quand même. Mmh. Elle a eu Emmanuel Macron. Ouais. Donc, représentative un petit peu de tout ce marché et de tout ça. De ce marché, elle a été approchée par Banijé. Il y a des gens qui posent des questions à propos de Maïva Guénam. Vous avez essayé d'avoir Maïva Guénam dans ce reportage? Oui. Ouais. Moi, j'aurais voulu. Moi, je voulais vraiment Maïva Guénam. Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est quand même aujourd'hui un peu la figure de proue des femmes de télé-réalité. Et en plus de ça, pour ton sujet sur la... Comment tu appelles ça? Dysmorphophobie? Oui, il y avait ça après... C'est ça, dysmorphophobie? Oui, c'était pas... La dysmorphophobie, c'était un sujet... C'est ce que je voulais faire au départ. Au début. Ouais. Au tout avant début, que ça soit complément d'enquête. Mais c'est resté quand même important pour ça a été dans resté un chapitre. Voilà. Oui. Je pense que j'aurais abordé ces questions avec elle. Pourquoi t'as pas réussi à avoir pourquoi vous avez pas réussi à avoir Maïva Guénam? Mais parce qu'elle était en contrat d'exclusivité avec Banijé. Ouais, mais alors les contrats d'exclusivité, nous on sait, ça fonctionne pas comme ça, c'est les contrats d'exclusivité télé-réalité. Bah oui, moi mais ça c'est pas de la télé-réalité, c'est pour ça que j'ai pas compris. Moi je sais que j'ai eu des problèmes, c'est pour ça que j'ai eu les producteurs et j'ai eu des problèmes par rapport au fait que j'avais fait complément d'enquête. Même si à l'époque que j'avais fait complément d'enquête, c'était même pas encore complément d'enquête. J'ai eu des calls des producteurs qui m'ont dit c'est pas possible, t'as fait complément d'enquête dans notre dos alors que t'es en exclusivité. M6 ils sont pas contents. Et t'as regardé ton contrat ou pas? Ou pas trop? De la même manière, un truc qu'on sait pas, mais en télé-réalité, sur les tournages, donc sur les tournages de W9, pour faire ses placements de produits, c'est bien plus pratique quand on est chez Shona Events parce qu'il y a une femme qui est chargée de ça, qui gravite autour du tournage constamment, qui peut te retirer du tournage pour aller faire ton placement de produit tranquillement, tandis que si comme moi tu n'es pas signé dans l'agence de cette production, tu peux pas faire de ou comme pause. Luna,
t'es réduit à avoir une heure le dimanche vite fait pour le faire. C'est ça. De la même manière. Mais c'est aussi normal, étant donné que c'est un même groupe. Le but, c'est de faire le plus possible d'argent avec ça. Intéressant, ça. Voilà. Mais tous ces trucs-là, c'est hyper important. J'aurais dû te contacter bien avant. Après, sur le business de la télé-réalité dans l'influence, c'est vrai qu'il y a aussi plein d'autres dérives. Il y a les NFT. Les finances, les télégrammes de groupes de finances, qui sont pour beaucoup des pyramides de Ponzi. Il y a énormément d'autres dérives qui ne sont pas du tout contrôlées par les agences et qui sont faites directement par ces influenceurs de télé-réalité. Vous parlez comme Marc Blatta, par exemple, c'est ça? Par exemple, qui n'est pas signé chez Shona Events, qui n'est pas, je sais pas s'il est signé dans une agence. Voilà, et Marc Blatta, ouais, il a fait une télé, mais il y a très longtemps, mais il y en a d'autres. Qui sont en agence. Voilà, je trouve que ça aurait été intéressant aussi d'aller voir ce que font de leur propre initiative et non pas dirigés par les agences, ces gens de télé-réalité. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils mènent eux-mêmes des business. C'est vrai. Il y a beaucoup plus de dropshipping qui vient directement des gens de télé-réalité que des agences qu'on a accusées de dropshipping. Et puis il y a même des influenceurs qui sont arnaqués aussi par des... Il y a ça aussi, hein. Bah oui, mais c'est... C'est vrai. En fait, je pense que c'est un documentaire qui est tellement riche, malheureusement, et j'en ai parlé avec Tristan, vous avez voulu attaquer plein d'angles qui sont tous hyper intéressant. On a dû faire des choix. 1h50, c'est ça? Je sais pas combien de temps ça a duré. 52 minutes. Hein. 52 minutes, c'est pas du tout assez en fait. Voilà. Vous vous êtes renseigné sur les. On a fait un. Pour moi, c'est vraiment un état des lieux de la situation et ça mérite d'autres sujets plus. Parce que moi, quand on parlait à Magali Verda de dropshipping, je me suis dit non, mais c'est pas possible, ce reportage il a été tourné il y a 5 ans. Les acteurs de télé-réalité sont payés. Très peu d'argent, voilà, c'est pas public et on annonce toujours des sommes mirobolantes. On se permet de payer si peu parce qu'on sait que cette exposition va donner lieu après sur les réseaux sociaux à énormément de partenariats, de gains, etc. Ça. Mais les productions nous payent au lance-pierre. Oui, vraiment. Ah oui. C'est pas du tout les préannoncés. Hein. Non, mais les préannoncés. Non, mais il y a des têtes d'affiche quand même. Il y a des têtes d'affiche, mais les têtes d'affiche sont très peu payées aussi. Bien payées. Ah oui. Quand ils disent, en fait, c'est 500 000, c'est 500 à 1000. C'est la Marseillaise qui parle comme ça. Non. Alors, on a oublié les questions. On revient aux questions. Maintenant, c'est question des viewers. Attention. Alors, est-ce que, outre les courriers d'avocats, etc., est-ce qu'il y a eu des menaces? Des pressions autres par rapport à tout ça. T'es pas obligé de dire des noms, t'es pas obligé, mais s'il y a eu des... C'est pas des menaces, mais des fois les gens insistent. Mais je pense, en fait, je comprends parce qu'il y a la peur. Ouais. Les gens ont peur, en fait. Donc ils tentent tout. Oui, ils ont peur. Mais non, j'ai pas eu de menace. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu cet événement, donc avec Booba. Et notre film qui sortait. Voilà, mais rien n'a les été calculé ensemble. Parce que. Non, je dis pas que c'est calculé. Ah, je me doute bien que. Je me doute bien que toi et Booba n'étiez pas comme ça en train de manigancer. Non, mais pas du tout. Bah non, je me doute bien. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis pas fan de Booba. Non, je veux dire, après, je sais qu'il y a des personnes qui sont fans de Booba. Après, Booba, ça reste l'artiste qu'il est aussi. Et je sais pas ce qui lui est arrivé aussi. Il fait une sorte de fixette, d'obsession. Sur Magali Berda, et c'est dommage, en fait, parce que lui, il agit comme ça, pour lui, c'est pas du cyberharcèlement, mais sa piraterie est ignoble. Les messages qu'elle reçoit sont... Mais vraiment, mais moi, je sais pas comment je vivrais ça au quotidien, parce que c'est vraiment horrible. Il y a rien qui bouge, au bout d'un moment, tout le monde est au courant des arnaques, ça fait des années. Moi, il y a 2 ans, quand j'ai commencé l'influence, je tiens à le dire, il y avait ce fond de teint et les beauty et j'étais chez Shona, j'ai fait un essai chez elle et elle me donne le fond de teint et j'ai appris qu'en fait ce fond de teint il venait de Chine et les influenceurs recevaient un fond de teint qui était de super qualité et les clients recevaient un fond de teint tout pourri. Ouais. Je l'ai dit, hein, j'en ai fait part à mon agent, oui. Okay. Et elle m'a dit oh, non c'est pas bien, faut qu'on fasse quelque chose, sachant que la société était au Panama en plus, donc tu sens le et au final un an plus tard je vous présente ce super fond de teint et les beauty que je mets tous les jours.
Ouais. Tu sens qu'il y a un problème, quoi. Franchement. Je gagne de l'argent grâce à mes abonnés. Est-ce qu'à un moment, ça ne me paraît pas logique de reverser une partie pour un système duquel j'ai profité et un système dans lequel je profite et sans les abonnés, je ne vis pas. Oui. Est-ce que c'est normal que je reverse une partie de mes revenus pour l'éducation des enfants, pour, les routes, pour la santé, pour les routes, pour un, voilà, pour un système qui, dont j'ai profité pour arriver là où j'en suis et dont je profite encore. On a une banalisation d'un comportement, d'un égoïsme intolérable aujourd'hui qui se fait à travers ces influenceurs de télé-réalité qui partent. Et je trouve qu'on devrait avoir plus de sensibilisation et de défense de ce point de vue que nous on a par les influenceurs qui restent. Et je trouve que ça, c'est un truc dont on aurait pu aussi plus parler dans ce reportage. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude sur Twitter de Tristan avant le reportage, avant tu la sortie du reportage? Tu peux pas? Non. Mais tu peux pas donner ton opinion sur son attitude? Voilà, okay. C'est... Là, vraiment, moi, ce que je te demande, c'est ton opinion. Je vous encourage à le contacter et à lui poser la question, même à le tweeter. Voilà, t'as une opinion ou t'en as pas? Bien sûr, on a tous des opinions. Okay, t'as une opinion. Là, c'est vraiment une question qu'il faut lui poser à lui. Moi, je ne peux pas me permettre Ok, ben moi, mon opinion, c'est que son attitude, c'était indigne de complément d'enquête. C'était de la copie de la manière de communication de Booba. Et il y avait vraiment des parallèles et des, comment dire, des symétries. Pour moi, c'était presque grave ce qu'il a fait. Et ça retire de la crédibilité à un reportage qui, pour moi, déjà en manque un petit peu. Je suis obligé de le dire. Bah, je suis désolée, là, je suis pas d'accord. Le reportage est crédible. J'ai été transparente avec tous les témoins. On a fait notre travail, comme je le répète encore une fois, chaque partie est sourcée avec des documents clairs et nets. On a mis tous les documents que tu m'as que tu m'as transmis, Luna. Vraiment tout. J'ai respecté aussi. Pas tout, justement. Tu vois. Non, mais la plupart. C'est pas possible. Mais t'as vu tout ce qu'on a mis quand même. Ouais. Donc on a vraiment tout est sourcé, tout est justifié par des preuves. Est-ce que tu essayes de sensibiliser la jeunesse? Est-ce que tu essayes de sensibiliser, d'instruire les gens plus public, âgés? Hein. C'est le service public, donc les personnes qui regardent. Non, c'est en fait vraiment le public cible, c'est tout le monde. C'est vraiment informer tout le monde. Et même vous. Ouais. Même vous-même. Ouais. Même, et puis là, il y a les. Comment tu les appelles? Les viewers? Les viewers, ouais. Voilà. Les gens qui regardent. Les streamers, donc c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc les viewers. Donc c'est pour ça qu'il y a le replay aussi, donc que vous pouvez aller revoir. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est vrai que moi personnellement, c'est aussi pour sensibiliser la jeunesse, c'est qui consomme les réseaux sociaux. Est-ce que t'es satisfaite des audiences de ton reportage, que ce soit en replay, contente. Tu me disais tout à l'heure, ça cartonne. Ouais, je suis très contente de l'intérêt que ça suscite. En comparaison par rapport à d'autres compléments d'enquête, on est sur quoi? 2 fois plus? 10 fois plus? Non, pas forcément. En fait, on n'a pas eu de chance par rapport au jeudi, parce que ça avait été déprogrammé. D'accord. Vu que la reine Elisabeth est décédée. Et donc, je pense que tout le monde l'attendait le jeudi. Et donc... Du coup, tu penses que vous avez perdu un peu d'audience de ce côté-là? Ok, parce que en fait, quand on regarde le reportage, on a vraiment l'impression... on voit, ok, Magali Berda qui soutient la cause de contre le harcèlement des femmes, contre la maltraitance des femmes, etc. auprès de Marlène Schiappa. Et puis derrière ou avant, je sais plus exactement, mais ça se colle. Et moi, au moment où on voit Natania, je me dis, mais quel est le rapport en fait de tout ça? En quoi ça, c'est une dérive de l'influence, ce rapport entre Magali Berda et Natania? Et en fait, on avait l'impression que c'était Magali Berda défend le harcèlement contre la femme, le machin, etc. C'est ce que Natania et derrière, non, elle ça. Le fait pas. Natania en a la preuve. Tu vois ce que je veux dire? Et non, on n'a pas dit non. Elle ne le fait pas. Non, mais c'était ça que ça voulait dire. Non, c'est pas ça. C'est que elle nous explique elle son sentiment là-dessus. Ouais. Elle n'a pas fait écouter les preuves comme quoi. Si, Magali, justement, disait non. Ouais, ne la soutenait pas alors qu'elle était dans ce genre de situation.
Et avec un parallèle avec cette réunion, en fait, avec Marlène Schiappa, où il y avait un engagement pour... voilà, les... En fait, par rapport à Marlène Schiappa, nous, on ne reproche pas le fait que Magali ait été à Place Beauvau. On décrypte le fait que ça a été repris, ça a été quelque part un bad buzz par rapport à Marlène Schiappa, mais que pour Magali... Quelque part, c'était une crédibilité aussi d'un point de vue politique. Et que, voilà, on ne juge pas qu'elle ait voulu sensibiliser, je veux dire, pour la cause des femmes, donc contre les violences faites aux femmes. Donc nous, on ne juge pas ça. Donc ensuite, on a... Vous ne jugez rien, de toute façon. Non, voilà. Nous, voilà. Voilà, donc, on ne juge rien. Non. Voilà. Mais donc, quand ensuite, vous mettez... Bah voilà, bah s'exprime, Natania. Je veux dire, on parle du... voilà, du harcèlement, elle nous dit qu'elle l'a vécu. Il n'y a pas le rapport avec le monde de l'influence ou même de la télé-réalité. Bah elle nous l'explique, Natania. Parce que Natania, ce n'est pas arrivé dans la télé-réalité, son histoire avec Ilan. Oui, mais son histoire avec Ilan. Non, mais Natania, elle, qu'est-ce qu'elle raconte, Natania? Vous vous souvenez elle nous explique, elle, son opinion là-dessus, donc... Oui, voilà. Mais ça n'arrive... l'histoire de Natania dont on parle dans le reportage et dont on a parlé dans mes streams... Elle parle d'harcèlement. D'accord ? D'agression sexuelle. Pour d'agression qui n'a rien à voir avec l'influence. D'agression sexuelle. Ni la télé. Elle nous parle. Pardon ? Bah, ces agressions n'ont pas eu lieu dans la télé, ça a eu lieu en dehors de la télé. C'est un candidat de la télé-réalité aussi. Oui, d'accord. Mais je veux dire, c'est pas parce que c'est un candidat de la télé qu'on peut tout lire. Ils se sont rencontrés comment ? Je sais pas comment ils se sont rencontrés, c'est pas sûr qu'ils se soient rencontrés dans la télé. Ils font partie du même univers. Oui, du même univers, mais voilà. Il l'a peut-être rencontré dans une soirée, comme on aurait pu rencontrer n'importe qui dans une soirée. Nathania. Oui. Et pour elle moi, est venue. Et pour moi, son histoire n'a rien à voir avec l'influence. Elle est venue, Nathania, chez vous. Oui, oui. Elle est venue, voilà. Oui. Bah nous, elle est dans notre film. Ça y est, ça se vous voit. Vous êtes en train de vous chamailler. Non, mais moi c'était juste... Vous avez interviewé Natania et vous avez réinterviewé Magali. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait la même chose quelque part. Ah, vous voulez faire pareil que moi? Pas du tout. Non. Les copiards. Pas du tout, parce que en fait c'est... Parce que moi, mon thème, c'était pas du tout les dérives de l'influence quand je les ai interviewés. Ouais. Mais c'était pas les dérives de l'influence. Ah, c'était pas le vôtre non plus. C'est pas une question des dérives de l'influence. Je blague. Si, ça fait partie de ça. Je sais pas. En fait, vous cherchez. Boutade. En fait, non, mais en fait, vous cherchez la petite bête. Quand vous avez traité de ces sujets. Mais oui, mais moi, pas du tout dans le même thème que vous. Ah non, vous n'avez pas voulu. Moi, je cherche juste sa légitimité à se retrouver au milieu du reportage. D'accord. Et je la cherche auprès de vous, puisque vous êtes la réalisatrice, c'est tout. Mais je cherche pas la petite bête. Et moi, je les ai interviewés dans le cadre de juste leur histoire. Ah ben c'est ça, qui n'a rien à voir avec l'influence pour moi, ni avec la télé. Mais nous, on fait un sujet sur les influenceurs de la télé-réalité. Natania fait partie de cet univers. Magali, on va recommencer le sujet. Non, non, pas du tout. Mais... Le début du débat. Ok. Donc, t'es journaliste freelance. Comment France 2 prend est-ce que France 2 est content que tu fasses que tu ailles sur les plateaux, que tu fasses la promo du documentaire? Est-ce qu'ils sont réticents? Est-ce que... Oui, ils sont contents. Ils sont contents. Okay. Ils sont contents parce que je pense que je fais ça vraiment pour le film et que en fait je suis freelance aussi. Donc moi j'ai bien fait comprendre que j'avais envie de communiquer sur ce film. Parce qu'il faut savoir que, donc, comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment mon idée que je l'ai proposée. Donc, il faut savoir que pour les freelances, donc je ne sais pas s'il y a des freelances aussi qui nous voient, c'est la croix et la bannière pour vendre des sujets. Donc, il faut savoir que des fois, on n'est pas payé au début. Donc, des fois, c'est vraiment galère pour nous. Donc, quand on a un film qui est vendu à complément d'enquête, bon, moi, j'ai quand même mon réseau. Hein, donc, j'arrive souvent à proposer des sujets. Puis, des fois, on m'appelle et tout. Mais donc, voilà, pour moi, c'était quand même cet accomplissement du film. Donc, c'est pour ça que j'ai ce côté aussi un peu... j'irais de passion, que je le défends vraiment, et parce que je sais que moi, j'ai vraiment été honnête avec... Mais sur TPMP, t'as pas dit que France 2, ils voulaient pas que tu viennes? Bah, en fait, c'était compliqué, donc, mais maintenant, ça s'est arrangé, donc... Ok. Maintenant, voilà. Ils sont contents de nous. Ah, c'est un peu comme ton bébé, en fait, finalement. Oui, c'est comme... C'est 9 mois, c'est vraiment 9 ouais. mois, donc c'est comme mon bébé, c'est vrai que... Après, j'entends hein, les critiques, parce que vous êtes de cet univers-là. Il y en a toujours, de toute façon. Voilà. Voilà, il y a toujours des critiques. Après, je pense que les personnes qui sont de cet univers, c'est bien sûr ça. Je pense que ça irrite un peu, parce que puis vous connaissez, il y a plein... Enfin, voilà. Moi, je ne suis pas irritée. Ah, moi, je ne suis pas irritée non plus. Non. Je suis très contente, parce qu'au final, je ne me sens pas concernée. J'ai jamais fait d'arnaque. Du coup, franchement, je suis pas irritée, je trouve je suis que très contente. Ça,
ça ouvre quand même un débat sur pas mal de choses, ça et c'est intéressant débat, de l'avoir. Mais c'est vrai que pour moi, vraiment, les influenceurs, c'est très général. Donc nous, pour les influenceurs, c'est pas que les gens de la télé-réalité, ça c'est sûr, mais c'est vrai que nous, c'est axé là-dessus. Mais par exemple, il y a des créateurs de contenu qui... voilà, Léna Situation, Yvick, Mister V, toi, qui est quelque part aussi un créateur de contenu, et c'est pour ça que c'est moi qui t'ai contacté. Vraiment. J'avais vraiment envie, ouais, et je regrette pas, parce que ça te met au bout de tes retranchements, je sais pas si je dis ça bien, mais et voilà, je pense que c'est intéressant de parler comme ça, et voilà, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai apporté, que j'ai été habitée dessus, mais je pense que j'ai maintenant, je suis prête de passer pour la à une suite, voilà, de passer à une autre aventure. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu, dernière question, et je pense qu'après on va s'arrêter, est-ce qu'il y a eu des plaintes déposées contre le documentaire? On a expliqué qu'on avait reçu des courriers d'avocats. Ouais, mais ça, c'est pas des plaintes. Voilà. Est-ce que, parce qu'un courrier d'avocat, souvent, c'est si vous le postez, si vous postez ce segment ou cette partie, ce rush, on portera plainte. En général, c'est ça un peu les courriers d'avocats. Alors, est-ce qu'il y a eu des plaintes vraiment déposées ou là, pas? Là, je ne peux pas vous donner d'informations, parce que là, c'est vraiment... Maintenant, c'est vraiment les productions et la chaîne qui gèrent, ouais, ça. Donc moi, maintenant... Toi, maintenant, je... Tu ne le sauras même pas si ça se trouve. Je pense que je ne le saurais même pas, ouais, en fait. Ok. Donc là, maintenant, voilà. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, activez la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos et souscrivez à la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.